Good morgen, allez, Yiden, Netus, aujourd'hui, le Nishmat, Avram, Chayin, Orber, Ben Fortuné, Mazal, Yidida, Bat Esther, et David, Ben Rabbi Tzrak, ainsi que Nirfouat, Myriam, Bat Shalvaya, et Amram, Ben Myriam. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Misha, contactez 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Tmura, Perek Bet, Mishnah Bet, Khatat, Hayachid, Shekipru, Be'alav, Metot, Beshel Tzibur, Enan Metot, Rabbi Yehuda Omer, Yamutu. Amar Rabbi Shimon, Mamatinu, Bevlad, Khatat, ou Bitmurat, Khatat, ou Bechatat, Shemetu, Be'alea, ביחיד דברים אמורים אבל לא בציבור אף שכיפרו הבעלים ושעברה שנתן ביחיד דברים אמורים אבל לא בציבור. Petite introduction à cette Mishnah. Je vais vous donner d'abord les données de base à partir desquelles ensuite la Mishnah va débattre, d'accord? Donc on commence avec les données de base. Une halakha le Moshe Misinaï, une transmission qu'on a, c'est pas écrit dans la Torah, mais depuis Moshe Rabbeinu, il a reçu ça d'Akadosh Baruch Hu ou Har Sinaï, il nous l'a transmis. Chamesh Chataot Metot. Il y a 5 sortes de korban khatat qu'il faut tuer, c'est-à-dire qu'on va les enfermer dans une pièce, on va les laisser mourir de faim. Je m'explique. De manière générale, un korban khatat, lorsqu'on transgresse une avéra, sur laquelle on est passible d'un karet, et qu'on a transgressé cette avéra à Beshogeg, la Torah va nous prescrire de nous apporter un korban khatat. On aura l'occasion de parler longuement, lorsqu'on arrivera à Masechet Kritut, on va commencer Bidyuk la Masechet avec ça. D'accord? Donc, pour exemple, Shabbat, quelque chose qu'on est rêve de karet, quand on est bémézid, même ce qu'il a, il y a aussi karet, eh bien, si on transgresse Beshogeg Shabbat, on doit apporter un korban khatat. Il y a 5 korban khatat, 5 animaux qui sont des korban khatat, où il y a eu un problème qu'on ne pourra pas les faire, les apporter, les offrir en korban, et dans ce cas-là, la halakha sera de les faire mourir, en les enfermant dans une pièce, en les laissant mourir de faim. À la différence d'un korban hola, tu avais prévu d'amener un korban hola pour X raisons, pour X raisons, tu vas pas apporter ce korban hola, parce que c'est pas grave, tu pourras l'apporter quand même korban hola pour en faire autre chose. Pour le korban khatat, c'est pas comme ça. Quelles sont ces 5 formes de khatat? Il y a le Tiferet Israël nous apporte un joli siman, un moyen mnémotechnique que vetimna aitapi legesh vetimna, c'est les rachetevot, vav, taf, mem, nun, aïn, vlad, khatat. Tmurat Khatat, Meta, Nun, c'est Nitkapur Bealea, et le Aïn, c'est Avra Shnata. Je m'explique. On va prendre le premier exemple. Vlad Khatat. J'avais un korban Khatat qu'elle a mis bas. J'avais une brebis, elle a mis bas un petit mouton. Si c'est un korban Ola, eh bien, ça peut pas être un Ola, parce que Ola, il n'y a pas de Nekeva. C'est un korban Shlamim. Oh, je plante à chaque fois sur ça, c'est pas grave, ça va montrer avec le temps. Et en tout cas, si c'est un korban shlamim qui était une nekeva et qu'elle a mis bas, on apprendra dans le prochain perek, vlad shlamim, on l'apporte quand même en korban shlamim. Il sera quand même un korban. Idem avec tmurat shlamim, la tmura, ouais, le fameux sujet de la tmura, on a substitué un korban shlamim. Le deuxième, maintenant, les deux, la gdusha, elle restera sur le premier, mais elle sera même aussi collée sur le deuxième. Le deuxième, on l'apportera en korban shlamim. Si on a fait la même chose avec un khatat, on a eu un korban khatat qui a mis bas, ou encore, on a voulu faire une tmoura d'un khatat, ce deuxième korban, ce vlad, ou bien cette tmoura, il faudra les faire mourir, comme ce qu'on est en train d'apprendre. Idem encore avec Vetimna, le même, c'est chez Metu Bealea. Metu Bealea, c'est simple, on va prendre d'abord un exemple d'un korban Ola. Il y avait un père qui avait prélevé un korban Ola, il voulait en faire un korban Ola, et il est mort. Eh bien, le fils, l'héritier, il prendra ce corban-là, il l'apportera au Batamikdash. Si c'est un khatat, c'est fini. Il faudra faire mourir l'animal, comme ce qu'on a expliqué, on le ferme dans la pièce et on laisse mourir de faim. Idem encore avec Timna, avec le Nunit Kapru Bealea. C'est ce qu'on va en parler tout de suite dans la Mishnah, ça va être le sujet essentiel. On va parler de tous, mais surtout de celui-là. Nit Kapru Bealea. J'avais prélevé un corban khatat. Et puis après, je ne l'ai plus retrouvé. Je l'ai cherché de partout. Du coup, j'ai eu l'occasion de monter à Yerushalayim, j'ai pris un autre corban. J'ai pris un autre animal, j'ai dit, bon, toi tu seras le khatat, et tant pis pour le premier. J'ai pris ce korban khatat, je l'ai amené à Yerushalayim, le deuxième donc maintenant. Après je reviens chez moi et je retrouve finalement le premier. Qu'est-ce que je fais avec ce korban? Si c'était un hola, je pourrais l'apporter encore en korban. Shlamim, je peux l'apporter. Puisque c'est un khatat, Nitkapru Bealea, elle doit mourir. Un korban chez Nitkapru Bealea, que son propriétaire s'est déjà fait expier de sa faute par un autre animal, celle-ci va mourir, c'est fini. Et le dernier, Avrash Nata, on apprendra plus tard, Bezat Hashem. Et des korbanot, des fois la Torah a insisté sur l'âge, quand la Torah nous dit Seksavim ou Seizim, c'est forcément dans la première année. Il y a des fois, il faut, spécialement quand la Torah nous dit Sahir, c'est que c'est un adulte cette fois-ci. Il y a comme ça, à chaque korbanot,
où il y a sa date, il a son âge bien précis. Si Avrashnata, on a passé l'année, eh bien c'est fini, on ne pourra plus la porter en Corban. Qu'est-ce qu'on fera? Si c'était un Ola ou Shlamim, de nouveau on pourra quand même la porter, même si tu ne t'acquitteras pas d'un certain devoir, peu importe. Eh bien, en tout cas, par rapport au Corban lui-même, il n'a pas été invalidé par rapport au Beit HaMikdash. Pour un Corban Khatat, il est invalidé, il faut le laisser mourir. Voilà pour Khamesh Khataot. On les retient Vetimna, Vav, Taf, Mem, Nun, Aïn, Vlad Khatat, Tumurat Khatat, Mem, Metu Bealea, Nun, Nitkapru Bealea, et Aïn Avra Shnata. C'est les 5 Khamesh Khataot Metot. À présent, on débute la Mishnah. Avant de débuter la Mishnah, une petite introduction, on va en parler tout de suite, donc c'est pour ça que je le dis. Il y a maintenant, en général, on apporte des korban khatat, c'est personnel, j'ai transgressé une avéra, j'apporte un korban khatat. Mais il y a des fois où il faut apporter un korban khatat public, en l'occurrence, à Rosh Chodesh, Seir, Izim, Echad, Khatat. Echad, Khatat. On apporte dans tout, en fait, tous les jours de fête, on apporte un korban khatat public. D'accord? Et la Mishnah m'enseigne comme ça. Khatat à Yachid, chez Kippro Be'alav. S'il y avait un korban khatat d'un particulier, que le propriétaire s'est déjà fait expier sa faute. Comme ce qu'on a dit, il a plus retrouvé celui-là, il en a pris un autre, il a porté en corban, et maintenant il retrouve l'ancien. Qu'est-ce qu'il fait avec lui? Méthode. Il faut les laisser mourir. Le Tifat Israël nous explique le procédé, on l'enferme dans une pièce, on laisse mourir de faim. Par contre, si c'était Véchel Tzibour, si c'était un korban khatat d'un public, comme par exemple celui de Rosh Chodesh, eh bien la Mishnah m'enseigne, eh bien, Enan Méthode, c'est pas grave, elle n'aura pas besoin de mourir. Il me semble même, c'est plus précisé ici, mais je crois que je l'avais vu dans ma secrète Shavuot, ou bien tu pourras l'apporter à une autre fête. Tu avais un korban à Pessah, par exemple, un korban khatat, après il y a eu le problème, au Beit HaMikdash on ne l'a plus retrouvé, on en a pris un autre, après tu le retrouves, c'est pas grave, tu l'apporteras un korban khatat public, tu attends Rosh Chodesh Iyar et tu l'apporteras par exemple. D'accord? Donc, d'un particulier, il meurt, mais si c'est d'un public, eh bien... Enan méthode, on n'aura pas besoin de la laisser mourir, on pourra l'utiliser une autre fois, on pourra la recycler. Ben, et Rabbi Yehuda Omer, Yamutu, Rabbi Yehuda enseigne, non, il faudra la laisser mourir aussi. Sur ça, vient Rabbi Shimon et va justifier le premier avis de Tanakama, en me disant, tout simplement, je donne le principe, parmi les 5 Khataot qui doivent mourir, il y en a 3 que c'est certain qu'elles sont en vigueur. Que dans le corban du particulier et pas dans le corban public. Parce que concrètement, ça n'existe pas, cette situation-là, dans le corban public. Rabbi Shimon va nous dire, bah, tout simplement, tu vois là, regarde, les 5, c'est une seule famille. Puisque les 3, tu ne les trouves pas dans un corban public, sache que les 2 autres aussi, tu ne les trouves pas dans un corban public. Et on va se familiariser avec la notion très simplement. On avait appris par exemple qu'un corban public, on ne peut pas faire une tmoura. Donc il n'y a pas de tmoura. Un korban public, on avait appris dans la Mishnah précédente qu'il est forcément mal. Donc, il ne peut pas avoir un Vlad. Donc, on a Vav, Taf, il y a Metu Bealea, il y a des korbanes. Un korban public, ça n'existe pas que le propriétaire y meurt. Bon, Hachem, l'Am Israël Chai, il continue toujours d'exister. Même s'il y a eu Chas Shalom plein qui sont morts, il reste toujours quand même un Israël sur qui on pourra porter le korban, Khatat. Il faudra toujours l'apporter. Donc, regarde, dans ces 3-là, ce sont des 3, dans ces 3-là, dans les mêmes Alachale Moshe Sinaï qui te dit de faire mourir le korban. Par rapport à ces 3 situations-là, ce n'est en vigueur que dans un korban d'un particulier et pas d'un public. Eh bien, idem pour les 2 autres qui seront donc le Avrashnata et Nitkapro Be'alav. Eh bien, que si c'est pour un korban public, eh bien, on n'aura pas besoin de les laisser mourir. Regardez Rabbi Shimon, il nous dit ça, en tchik-tchak, on a fini la Mishnah. Amar Rabbi Shimon, il dit Rabbi Shimon, Mamatinu bivlad khatat ou bitmurat khatat ou bechatat shemet ou bealea. Regardons ces 3 situations qui sont le vlad khatat, le petit du korban khatat, et la tmura du khatat, la substitution de la khatat, ou encore bechatat shemet ou bealea, dans un korban khatat dont le propriétaire est mort. Ces 3 situations-là, beyachid dvarim amurim avallo betzibur. Ça n'a été dit que dans un korban yachid, d'un korban particulier, d'un individuel, et pas à Valo Betzibour, mais pas dans un korban public, parce que ça n'existe pas, comme ce qu'on a dit. Ça n'existe pas un tzibour entier qui meurt, ça n'existe pas un tzibour entier, c'est de faire un korban, une tumura d'un tzibour. Et ça n'existe pas d'avoir un vlad, d'avoir un korban tzibour khatat qui va mettre bas, parce que le korban tzibour, il sera forcément masculin. Toujours la Torah nous dit au seir izim khatat, d'apporter un seir izim, un mâle. Eh bien, idem pour les 2 autres halachot, af shekipru abealim, vesha avrash natan, idem pour le
Korban Khatat, public, que le propriétaire, les propriétaires se sont déjà fait expier, parce que, comme on avait le scénario, qu'on a perdu le Seir, on en a pris un autre, et après on a retrouvé l'ancien, et aussi, je vais chez Avrash Nathan, ou encore le Korban Sahir, qui a dépassé la date, eh bien, Beyachid Dvarim Amourim, ça n'a été dit que pour un particulier, Aval Lo Betzibur, mais pas pour un Korban public, que le Korban ne sera pas invalidé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fera du Korban Tzibur, d'un Sahir, s'il a passé l'âge, je ne sais pas. D'accord ? Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on pourra le recycler dans certaines situations. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.